Salut tout le monde, c'est Dom Tom Gamer, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une troisième vidéo sur la bêta de The Crew. Et du coup, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Je vais vous présenter un petit peu le QG, ce qu'on peut faire dans le QG et à quoi ça sert par rapport au fait qu'on a des capacités qu'on débloque et qu'on va pouvoir utiliser quand on les a gagnées. Donc du coup, retour au QG, on peut le faire directement par le biais du petit menu à droite. Donc on va y aller directement. Et je vais vous présenter un petit peu ce QG. Donc je suis niveau 6, j'ai un petit peu avancé, j'ai fait pas mal de petits défis, de missions aussi un petit peu du jeu. Donc petit à petit on avance, mais on sent quand même qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc dans le QG, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a déjà tout simplement un atelier sur lequel on va revenir tout à l'heure parce que j'ai débloqué des pièces quand j'ai gagné des courses et on va se les monter ensemble. On a bien entendu la collection de voitures qu'on a pour voilà, pouvoir choisir le véhicule qu'on veut au niveau de la sélection et pour aller dans l'atelier. Donc vous voyez, voilà. Donc ça c'est des voitures que j'avais pas avant et que maintenant je pourrais acheter. Donc je sais pas combien il y a de voitures en tout, hein. Honnêtement je me suis pas renseigné, mais je pense qu'il doit en avoir un bon paquet. Voilà, ensuite dans le QG, mais qu'est-ce qu'on a? On a aussi les capacités. Donc les capacités, on va y aller le voir tout de suite, hein. Donc ça c'est ma copine qui m'a fait sortir de prison là, Zoé. Et du coup qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que quand on gagne des points de capacité, on peut les dépenser sur cette feuille ici. Et par exemple, qu'est-ce qu'on a là? On a freinage extrême. Donc on peut monter le freinage extrême de 5 points, et vous voyez, 1 point améliore le freinage de toutes les voitures de 1%, 2 points ça améliore de 2%, 3 points de 3%, et ainsi de suite. Ici, point doublé, donc voilà, plus je vais mettre de points de compétence sur ça, donc là je peux en mettre jusqu'à 10, et plus vous voyez, mes chances de gagner des points de capacité seront multipliées avec du pourcentage. Pareil pour les réductions de street, donc les réductions quand je vais acheter des pièces ou des choses pour le street. Pareil pour le boost, et pareil ici pour le The Crew, voilà, qui augmente le bonus dans l'émission. Voilà, bon bref, plus vous allez mettre de points sur une capacité, plus voilà, ça va vous améliorer certaines choses. Comme on peut le voir sur ce plan là de capacité, là j'ai Zoé, donc celle qui me fait faire l'émission un petit peu là où je suis sur D3, tout ça, et on voit qu'il y a des photos vides. Donc apparemment sur toute la carte du jeu on va avoir, je pense, d'autres personnages comme Zoé qui vont nous donner des missions à faire, et du coup on aura sûrement d'autres capacités pour le, je pense, pour le dirt. Alors le dirt, dans ma précédente vidéo j'ai dit que c'était du dérapage, j'ai confondu avec le drift comme un idiot. C'est pas ça du tout le dirt, hein. C'est un petit peu quelque chose comme le rallye, le dirt, mais du coup voilà, je pense que ça doit être par rapport à chaque capacité de voiture, mais on verra après dans le jeu complet. D'accord, par contre j'en avais une capacité, j'aurais pu la monter. Je vais utiliser mon point parce que je crois que j'ai ah non, un point de compétence. Oh, j'en ai 4. J'ai 4 points, con. Et alors, on va se monter ça. On va le monter deux fois, ça. Comme ça, on aura plus de chances d'avoir des points. On va se mettre un point de réduction. Et on va se monter encore un petit peu le freinage. Voilà. Ok, donc j'ai dépensé mes points ici. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bon, progression, ça nous montre effectivement la progression, voilà, dans le jeu, pour voir les cinématiques, tout ça. Donc ça, c'est plutôt classique. Et voiture cachée. Donc apparemment, il y a des voitures cachées qu'on peut débloquer. Auquel cas, vous pourrez le voir dans votre QG. Et on va aller sur l'atelier. Donc l'atelier, ben, j'ai gagné, vous voyez ici, des performances. Donc c'est quoi? Ben, c'est, vous savez, ce qu'on avait vu dans les précédentes vidéos. Dans la précédente vidéo, quand on gagne une course, on peut gagner une pièce qu'on peut équiper de suite ou la stocker dans notre garage. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai stocké dans mon garage parce que je me suis dit, si toutefois je change de voiture, je vais pas l'équiper sur celle-là. Mais apparemment, je suis pas prêt encore de changer de voiture. Donc du coup, on va s'équiper un petit peu ce que j'ai gagné. Donc vous voyez, boîte de vitesse. Déjà, j'ai une pièce que j'ai gagnée. Et je passe mes boîtes de vitesse numéro 2. Bon, mais impeccable. On va se l'équiper. Ensuite, qu'est-ce que j'ai gagné? Apparemment, j'ai dû gagner au niveau... Hop, pas ici. Ici, les pneus. Voilà, j'ai gagné pneus niveau 2, même pneus niveau 3. Donc, vous voyez, c'est plutôt intéressant. Donc, on va se mettre directement le niveau 3. Donc, vous voyez, ça m'a fait baisser un petit peu la vitesse maximale au niveau des trucs. Mais c'est pas grave, au moins, on aura une bonne adhérence. Les suspensions, j'ai gagné encore un truc. Donc, carrément niveau 6.
Donc c'est plutôt intéressant, vous voyez. Plus 12 en adhérence, plus 5 en freinage, plus 1 en accélération. Donc c'est plutôt bon. Et j'ai gagné aussi un écu. Alors l'écu, c'est comme une puce électronique, hein, si je le comprends un petit peu comme ça. Vous voyez, par exemple, voilà, j'ai un bonus d'accélération sur ce niveau 5. Voilà, donc on va se l'équiper. Et je peux pas parce qu'elle est déjà installée. D'accord. Donc du coup, ben je l'avais mise alors. Impeccable. Ok. Voilà, donc c'est pour vous présenter un petit peu le QG, à quoi ça sert et puis ce qu'on peut y faire dedans. Donc du coup, c'est plutôt intéressant. On pourrait essayer parce que j'ai un petit peu de pognon au niveau esthétique, hein, de se mettre peut-être, je sais pas, des couleurs. Est-ce que je peux modifier ici? Non, je peux pas trop modifier ici. Et les stickers, alors, je peux pas le faire ici. Donc vous voyez, en fait, l'atelier, ça sera vraiment pour... Voilà, pour simplement des modifications mineures, je pense. Après, si on veut modifier sa voiture, il faut vraiment le faire dans un gros garage. Allez, hop, on va sortir de là. Et, ok. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer ça. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans un garage, directement me changer un petit peu la couleur de la voiture pour changer et mettre des jolis stickers, histoire de dépenser un petit peu ma thune. Ok, allez, je me suis rendu dans le garage là. Donc, tune ta voiture. Hein. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on va pouvoir se faire. Esthétique. Hein. Couleur. Alors, est-ce qu'on va se mettre... Combien ça coûte les couleurs métallisées? Ah, vous voyez, il y a deux moyens de paiement. Il y a le paiement en argent, on va dire, je pense, argent qu'on gagne. Une sorte d'argent réel, on va dire. Et il y a de l'argent en bleu en haut. Et c'est l'argent, je crois, Uplay. Donc du truc du site d'Ubisoft, les Uplay, qu'on peut gagner des choses. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme couleur un petit peu sympa? Un truc qui sortirait un peu de l'ordinaire. Hein. Une sorte de vert pomme, tiens, ça peut être pas mal. Combien ça vaut? 2425, eh ben putain. Allez, acheter. Ok, par contre, on va aller se mettre maintenant des stickers. Histoire d'avoir quelque chose d'assez original. Hop, on va se mettre de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? Ah, il y a des trucs qui pètent bien quand même, hein. Ah, il y a vraiment des trucs intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on va se choisir? Ça fait voiture de stop-car. Hein. C'est pas mal ça. Ça me plaît bien ça. Je trouve que ça, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Allez, j'aime prendre ça. Je trouve que ça pète bien. Ça me fait penser un petit peu à la voiture de Tom Cruise dans Jour de tonnerre. Là. Il a une voiture, je crois, qui ressemble un petit peu à ça, de stop-car. Allez, je prends ça. Acheter. Impeccable. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire, hein? Est-ce que j'ai des nouveaux pare-chocs peut-être, hein? Ah, ça par contre, tout ce qui est pare-chocs et tout, c'est pas ce qui est le plus cher, vous voyez, ça coûte que 430 quoi. On va se prendre celui-là. Il a l'air de bien envoyer. Et on va se faire... Ah, ça, j'ai pas accès encore. D'accord. Bas de caisse, j'ai accès ou pas? Ah, pour l'instant, vous voyez, j'ai pas grand chose en bas de caisse. Hein, et je vois pas trop la différence. Hein. Et du coup, les jantes, je crois que j'ai pas beaucoup aussi. Il faut les débloquer un petit peu au fur et à mesure. Hein. Par contre, elles valent la peau du cul, les jantes. Hop, on va se garder ça. Les rétroviseurs, non, j'ai pas encore. Et là, le rond, je crois que j'ai pas beaucoup. J'avais déjà mis quelque chose de plutôt sympa. On va mettre ça. Allez. Impec. Sortir du garage. Ok, bon, mais voilà, on s'est fait une jolie petite voiture qui pète plutôt bien. Et on va aller se faire ensemble les quelques missions niveau 6 que j'ai débloquées. Parce que on va se prendre la carte. Hein. Ok, bon, elle pète bien ma bagnole. Hein. On va la regarder un petit peu là. Ah, ça pète. Hein.
Donc, vous voyez, on peut vraiment se faire quelque chose de très sympa. Alors, au niveau de la carte, j'ai deux, trois choses, voilà, à vous montrer. Donc, effectivement, donc, comme je disais, par secteur, donc, on a les capacités de voitures qu'on peut monter. Hein, donc, voilà, là, on aura des préparateurs perf, là, le préparateur, voilà, dirt. Tout ça, donc ça c'est un petit peu ce que j'avais dit. J'ai traversé un petit peu cette zone-là pour aller à Las Vegas. Donc je suis parti de Saint-Louis ici et je suis allé à Las Vegas. Il y avait 50 bornes, ne serait-ce que de là à là. Et j'ai traversé un peu toute cette zone de montagne rocheuse. Voilà, vous voyez ici. Et c'était plutôt agréable. Hein. Autant vous dire de suite, le jeu vraiment en a sous le capot, même si j'ai remarqué du clipping. C'est un petit peu décevant à ce niveau-là. Il y a pas mal de clipping, même s'il y a une bonne distance d'affichage. Il y a du clipping, donc ça, je pense qu'il faudra qu'ils l'améliorent au niveau de la version finale. Mais c'était plutôt agréable. Je l'ai fait un petit peu la nuit et ensuite le soleil qui se lève. Et honnêtement, c'était très, très, très joli. Donc le trajet était plutôt agréable. Ensuite, voilà, faudra voir un petit peu ce que ça donne les parties aussi en ligne avec les autres joueurs. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai fait ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les missions du jeu, par exemple, je sais pas, une mission du jeu que je vais faire tout à l'heure, par exemple ici, quand on va la sélectionner pour y aller, on peut la faire normalement soit en coopération avec son crew ou soit en solo. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal parce que toutes les missions du jeu, on peut les faire soit avec ses potes ou soit on peut les faire tout seul. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Voilà, et ensuite je me suis fait pas mal de défis. Donc vous voyez tout ça, les défis saut, les défis slalom. Bon, c'est des choses qui se répètent un petit peu, mais ça ajoute du contenu. Donc c'est plutôt intéressant. Mais voilà, c'est peut-être pas ce qui est le mieux, mais n'empêche que ça donne quand même une sacrée durée de vie au jeu. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais me rendre là-bas et on va s'attaquer une mission tout de suite. Ok, allez, on va y aller. Donc du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est au niveau des cartes, hein, ce qu'on peut remarquer, c'est que plus on va loin dans la carte, hein, et plus les niveaux demandés, vous voyez, niveau 30, tout ça, j'ai l'impression qu'on démarre ici, c'est niveau 1, niveau 2, mais plus on va loin, et plus il est demandé de niveau pour faire les choses. Donc en fait, je suis allé un petit peu au fond là-bas, mais le problème, c'est qu'arrivé à Las Vegas, qui était très sympa d'ailleurs, Las Vegas, on voit vraiment la ville de nuit, avec les éclairages et tout, eh bien, je peux faire aucun défi ni aucune mission parce qu'il faut par exemple, vous voyez, niveau 30. Donc avant de faire ces missions là, et eh ben en fait il faut un petit peu farmer un petit peu son profil ici et petit à petit avancer au fur et à mesure qu'on atteint des niveaux. Et du coup ici je ne pouvais pas encore faire les missions parce qu'il fallait niveau 6. J'ai atteint le niveau 6 et du coup c'est ce qu'on peut commencer à se faire dès maintenant. Et on va commencer avec cette mission là. Alors par contre on peut faire du voyage rapide. Donc on va le faire, comme ça vous allez voir un petit peu le chargement. Ça évite de se taper les trajets, parce que les trajets c'est très bien, ça va un moment, mais après si on veut avancer dans le jeu, on peut aussi faire du voyage rapide. Je t'écoute. Il y a une course de rue à cet endroit. Détroit doit prendre des scalps, et le plus tôt sera le mieux. Ok, voilà, bon ben on va faire cette mission là, on va se mettre dessus. Hop, on va faire jouer, donc soit je le fais en coop crew, mais j'ai personne, ou soit en solo. On va se la faire en solo. Voilà, donc vous voyez, ils disent niveau de véhicule recommandé 66. Donc du coup, il y a des niveaux de véhicules à posséder. C'est ta place que je veux. Alors viens. Ah mais ça au moins c'est clair. Allez, envoie du bois Benoît. Explose-moi ces crétins. La victoire pour Détroit. Allez, on va voir un petit peu les améliorations que j'ai mises, ça va m'aider. Bon pour l'instant. Ouais ben ils vont vite me rattraper, t'inquiète pas, je sens que là ils vont un petit peu me faire caguer. Un petit coup de nitro. Ah le mec il s'est un petit peu planté. Ouh là, c'était chaud. Ouais, donc tout ce qui est un petit peu niveau raid et tout, je pense que j'aurais peut-être pas le temps de vous le montrer parce qu'il faut être, je crois, niveau 40. Et honnêtement, il faut vraiment farmer le jeu à fond. Et un week-end, ça serait dommage de... Voilà. Que je fasse ça, je préférerais après aussi prendre le temps de découvrir le jeu quand je l'achèterai.
Mais on va essayer quand même de faire quand même pas mal de choses ce week-end ensemble. Allez, je coupe par là. Hop là. Petit coup de nitro. Bon, je les ai un petit peu laissés sur le carreau quand même, hein. Ouais, donc quand je suis allé à Las Vegas, c'était plutôt intéressant parce que je me suis retrouvé sur la route, la vallée de la mort, vous savez, cette route un petit peu désertique. Et franchement, c'est super bien fait parce que, peut-être je le montrerai dans une vidéo, on voit vraiment Las Vegas au loin, avec toutes ces lumières qui clignotent et tout, au fur et à mesure qu'on s'approche. Et franchement, c'était vraiment très très agréable. Le jeu, même s'il n'est pas vraiment parfait au niveau graphique, on s'y habitue et franchement, ça a quand même de la gueule. Allez, putain, elle est longue cette course là, dis donc. Donne tout ce que t'as. Ah putain, c'est le deuxième tour. D'accord, mais on n'a pas fini les enfants alors. Hein. Par contre, l'autre il m'a vite rattrapé l'enfoiré là. Oh putain, il y a plus de voitures que tout à l'heure. Alors les commentaires du mec qui me parle, ça me saoule un peu. Je vous le cache pas. Ah mais oh, il y avait pas tout ça tout à l'heure là. On a perdu? Ah non. Vous voyez, en fait, le jeu, au fur et à mesure qu'on fait les tours, à mon avis, il corse un petit peu le truc. Il doit y avoir des choses qui se rajoutent, je suppose. Ok, à mon avis, celle-là, on va se la foirer de mission. Ah, par contre la nitro, je trouve pas que ça donne beaucoup d'accélération. Ça donne une bonne vitesse de pointe, hein. Mais après, en termes d'accélération, je trouve pas que c'est vraiment excellent, quoi. Oh putain! Ça c'est la haine, ça. Vous voyez là, regardez, je mets la nitro, mais ça m'a pas fait beaucoup accélérer en fait, hein. Et ça, je trouve ça bizarre, quoi. Parce que logiquement, ça devrait directement me propulser avec une bonne accélération. Ok, voilà, je me suis planté lamentablement. Donc je crois qu'on a bien foiré cette mission qui pourtant n'est pas très dure. Putain, j'avais bien coupé en plus là. Ok, échec de la mission. Bon, mais voilà, on a fait un premier échec, ça arrive. J'avais un petit peu coupé pourtant. C'était plutôt pas mal. Donc du coup, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Carte. Hop. Donc je vais avoir cette mission là à faire. Et ensuite, il y aura l'autre mission qui est, je crois, un petit peu plus haut. Ah oui, elle est un petit peu plus haut, elle est ici. Voilà. Et ça sera... voilà, celle-ci. Voilà, donc du coup, je vais essayer de me faire ces deux missions pour essayer un petit peu de grimper de niveau et essayer après de vous montrer un petit peu autre chose. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'en ferai d'autres sur ce jeu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de DomTomGamer. Ciao, ciao.